Facebook. Quand attends-vous? Facebook. Facebook. Ha! Wonderful. Wow. Oui. 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 Wow, Facebook. Oh. Wow, Facebook. Oh, Yamalo. Oh, Facebook. Oh, Facebook. Oh, Yamalo. Oh, Yamalo, vous cacher. Oh, Facebook, c'est le mensonge. Oh, Facebook. Wow, Facebook. Yeah. Où Facebook? Où li? Facebook. Comment? Les gens. L'enfant si Claude Agam bon madame je oulili oui Facebook le Facebook tu vas remettre le nom on reprend le nom yay oulili Facebook wo Facebook wo yangalo wo Oh Facebook, oh Facebook, oh, il y a le coq n'a même pas encore, il y a, oh Facebook, oh, sorcellerie, oh, enfin, je venez me ramasser, le coq n'a même pas encore chanté trois fois qu'il allait chanter. Nanda, oh Facebook, le coq n'a pas encore chanté trois fois qu'il a déjà chanté. Il a déjà retourné de veste. Tu vas remettre le nom Tobias. Oh, retirez Tobi Chou, mettez Tobias. Retirez Tobi Chou, mettez Tobias. Enlevez le chou là, mettez Tobias. Oh, ancien ténébreux, reste ténébreux. Ténébreux, reste ténébreux à vie. Il les ressemble même. Il les ressemble. Ya! L'enfant si. Oh, l'enfant si, oh. Oh, Tobias. Tobias. Le coq n'a pas encore chanté trois fois. Tu as changé de côté. Yeah. Tu es arrivé quand? Yeah. C'est la stamaille de quoi? Tobias. 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 L'enfant si. Tobias. Yeah. Tu as trahi ta patronne, tu crois qu'on s'attendait à quoi? Tobias! Oh l'enfant si haut! Oh l'œuf si haut! Oh le poussin si haut! Oh le poussin des ténébreux! Le poussin, le ballon des ténébreux! Un petit poussin comme ça! Et tu tchors, tu tchors, tu tchors comme ça! Yeah. Tu pars où avec le comportement là? Tu pars où avec le comportement là? Ta fancy si. C'est sur le soleil du marché que je te renie. Hey! Oh, je te renie, oh! Je te renie, oh! Je te renie, oh! Je te renie! Tobias! Je te renie, oh! Je lave mes mains et te renie. Je te renie. Oh, rentre là-bas, oh! Oh, qui t'a d'abord enlevé dans les ténèbres? C'est toi-même qui es sorti qui t'a enlevé. Oh, Tobias, oh! Oh, Tobias, oh! Yeah! Tu as changé de côté, Tobias. Tu vas changer encore le profil et mettre Tobias sur ça. Parce qu'ici, on fabrique et on défabrique. Avec le comportement, la Tastamaya devait d'abord aller où, mon enfant. Oh, l'enfant, si. Oh, vous attachez, oh. Oh, vous attachez. L'enfant, si. L'enfant, si. Nous, tes mamans, on t'a fait quoi? Ton ancien mère. Des ténèbres. Tu crois que tu nous as toujours donné quoi comme secret sur elle? Tu as connu quand on faisait les clashs avec elle? Tu nous as donné quoi sur ton ancien patron? C'était rien, tu n'as rien dit de bon.
L'enfance, il n'y avait rien dans ça. Oh. Il n'y avait rien dans ça. Oh. Il n'y avait rien dans ça. Oh. Nous, on croyait que tu avais les extraordinaires révélations. Mais le jour-là, j'ai seulement camouflé pour que tu ne nous souilles pas trop. Pour que tu ne te souilles pas trop. Oh, le mensonge n'a pas de longue jambe. Oh, le mensonge n'a pas de longue jambe. Le mensonge n'a pas de longue jambe. Oh, le mensonge n'a pas de longue jambe. Oh, le mensonge n'a pas de longue jambe. Ya! Yeah. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde va découvrir que tu mentais sur ta patronne. Oh, la vérité prend l'escalier, le mensonge, l'ascenseur. La vérité prend l'escalier, le mensonge, l'ascenseur. Donc, tu mentais sur ta patronne que vous parlez jusqu'à 4 heures. Vous parlez de quoi alors? Incapable de nous expliquer. Qu'est-ce que une vieille chouette peut parler avec un tchincheron? Un tchincheron, tchincheron, comme toi, mon enfant. Jusqu'à 5 heures, que tu vas lui dire quoi de bon? Il n'y avait rien de bon. Oh, l'enfant, oh, ne rentre pas chez les ténèbres, tu dis qu'on t'a appelé. Oh, l'enfant, oh. Oh, l'enfant, oh. Ya. Yeah. L'enfant, si. L'enfant, si. Tu crois que tu as révélé quoi sur ton ancien? Tu nous connais les coriaces, les clashs. Tu as révélé quoi? Tu as amusé la galerie. Tu n'as rien révélé sur elle de bon. Puisque dans nous, on attendait les révélations extraordinaires. Mais on a compris que ce que tu as raconté, c'est ce que tu avais écouté aussi sur Facebook. Tu as retourné sa mettre sur ta patronne. Dis que, elle t'a dit que. Elle t'a dit que quoi alors? Rien de bon. Eh, l'enfant, si, oh, tu vas arriver. Tu vas arriver. Tu vas arriver. C'est pas comme ça qu'on cherche la Stamania, mon enfant. Ce n'est pas comme ça qu'on cherche la Stamania. Oh, Priscali, non, me voici au marché. Ton frère, derrière le coq n'a pas encore sonné 3 fois. Il a déjà tourné de veste. Il était là-bas avec qui? L'enfant, si. Tu dis que quoi, maman? C'est toi qui m'appelle que quoi? Je t'ai fait quoi, papa? Une maman comme moi, je t'ai fait quoi? Avant, tu m'insultais. Si tu viens encore m'insulter aujourd'hui, ça va changer quoi? Hein? Tu es venu ici, tu as trouvé que... Le problème, c'est que quand tu tournes de veste comme tu as fait vite avec ta patronne, personne ne peut te faire confiance. Je suis désolée, mon enfant. Si tu m'insultes aujourd'hui ou demain, avant tu m'insultais, si tu viens encore m'insulter, ça va changer quoi? Je t'ai fait quoi? Hein, papa? Pour que tu viennes sur Facebook. Yay! Ah, Dieu m'a sauvé, oh! Oh, je dis, Dieu m'a sauvé, t'es fait quoi, papa? Aujourd'hui, à 16h, tu n'as pas... Les gens, on dit dans la vie, Dieu te met les gens sur ton chemin et Dieu t'ouvre les yeux. Même chez les ténèbres où tu es rentré là, on veut seulement, ils veulent aussi savoir. Mais ce qui est, si tu n'as pas duré avec nous, qu'on peut dire qu'on t'a confié quoi que ce soit, ils ne te feront plus jamais confiance. Laisse que tu... Mais tu pars à l'école à quelle heure, mon enfant? Tu pars à l'école à quelle heure? Facebook, c'est le virtuel. Tu prends ça comme la réalité. Nous, on a fait les guerres de Corée. On essaie un bain. Tu penses si elle veut laver et rincer ta patronne? Ou bien si elle veut me laver et rincer, elle va passer par quelqu'un. Elle met sa caméra. On a l'habitude de se faire ça. Mon enfant, tu pars où avec le comportement là? Tu penses que c'est comme ça qu'on cherche les abonnés? Hein? C'est pas comme ça qu'on cherche les abonnés. Ce n'est pas comme ça. Les gens, vous savez que ma faune ne mange jamais, oh. Ma faune ne mange jamais. Warriors m'avait prévenu que tu étais à passer. Tu es passé une seule fois. Je t'ai dit que mon fils, il faut que tu ailles à l'école. Je me demande que tu vas vraiment à l'école, mon enfant. Tu étudies à quelle heure? Avant de parler avec les faux profils, à quelle heure? Et décrypter tous les commentaires à quelle heure? Pardon, pas à l'école, mon enfant. Je ne peux pas te clasher. Je ne peux pas t'insulter. Je te donne les conseils. Pour moi. Tu n'as même pas l'âge de mon enfant. Le chemin que tu prends là, tu vas te fatiguer vite. Hein? Parce que tu t'épuises vite. Tu vas te fatiguer. Facebook, c'est la résistance, mon enfant. Tu as trahi les autres, tu ne faisais pas un jeu, tu n'étais aucune mission. C'est parce que tu es arrivé ici, tu t'es dit que, ah, j'ai perdu mieux là-bas. Parce que tu es pressé dans la vie. Il faut prendre le temps. Je t'ai dit que je n'ai rien à te donner. Mon enfant. Tobias.
Le chemin que tu prends là, tu vas arriver où avec? Tu es jeune, tu as tout ton temps, tu peux chercher tes abonnés, tu peux même décrypter les directs, faire de ça ta spécialité, tu t'assois, tu t'habilles bien comme un jeune de ton âge. Regarde comment l'autre jour tu étais beau avec ta soeur. Vous étiez bien, vous êtes deux au Cameroun, qui vous interdit d'être ensemble? Vous êtes bien ensemble, vous pouvez vous donner des conseils. Elle ne t'a jamais dit que viens clasher, viens tourner de veste. Non, on ne peut pas dire que c'est elle qui t'a conseillé, c'est impossible. Tu changes de veste comme ça là, comment? Est-ce que tu étais d'abord, tu étais de la team des ténébreux? Tu as changé de côté, on t'a dit que va faire ton blog seul. Et j'ai dit, et j'ai redit encore ici, qu'on ne fabrique plus mon enfant. Nous, on avait été trop trahis. La chef nous a trahis ici. Hein? Beaucoup d'entre nous ont trahi. Tu pars où avec ce comportement, mon enfant? Hein? Tu dis que toi et moi, on a échangé, papa, que qu'est-ce que je peux bien échanger avec toi, mon fils? Hein? Qu'est-ce que je peux échanger de mauvais avec toi? Hein? Je n'ai rien à cacher. Rien. Hein, mon fils? Je n'ai rien à cacher. Hein? Il faut que j'aille un peu sur mes messages. Je vais tourner la caméra. Je tourne un peu la caméra. Regarde. Comment je vais faire ça? Je t'avais même archivé parce que je trouvais que tu envoies trop de messages. Tu m'envoies trop les choses de Facebook et je n'aime pas trop. Regarde. Tu as parlé avec moi. Voici ça. Je n'ai même pas encore changé ton nom. Est-ce ténébreux, mon fils? C'est toi qui as commencé à m'écrire. Tu avais mis au début sur message, comment on appelle là? Les messages qui s'effacent là. Le jour là, tu m'as envoyé le message en disant, bonjour, Mafo. J'ai dit que c'est qui? Tu m'as dit que Toby. Je n'avais pas encore pensé. Quand j'ai écouté vos directs là, que ça s'est gâté. Et voilà, mon fils. Comment tu peux faire croire aux gens comme si on a... Voilà les choses que tu m'as envoyées. Je ne suis... J'ai même pas cliqué dessus. Regarde. Tu m'as dit que tu as les choses à envoyer. J'ai dit qu'envoie, voilà ça. Tu m'as dit que Marthe Chopa. Quand j'ai mis, les gens ont dit que ce n'est pas Marthe Chopa. Regarde, mon fils. Regarde. Je peux mettre le voice que tu, je t'ai laissé. Tu m'avais envoyé le message. Regarde bien. Regarde. N'oublie pas, le direct, c'est ce... Le jour du direct, je t'ai dit que n'oublie pas, le direct, c'est 20 parce que j'avais d'abord donné un rendez-vous. Après, je ne pouvais pas honorer parce que j'étais occupée. Regarde, mon fils. Comment tu peux mentir sur moi comme si toi et moi, on avait des confidents à l'enfance? Hein? Comment tu peux mentir sur moi? Tu m'avais envoyé un message éphémère. Ça s'était supprimé. Le jour-là, c'est toi qui m'avais salué. J'ai mis. Tu m'as envoyé les trucs ici-là que... Où c'est mal, je ne suis pas... Et tout. Et puis, voilà, mon fils. Je vais recliquer. Voici une personne. Et puis, le jour qu'on devait faire le direct, je t'ai dit que puisque j'avais d'abord donné un rendez-vous, après, je n'ai pas honoré. Hein? Je veux que les gens voient les dates. Le 28 mars. Regarde. Je t'ai laissé un message. Et voici ça, le voice que t'ai laissé. N'oublie pas, le direct, ce soir, la première partie. Il sera 19h au Cameroun, 20h ici, là. Attendez. Les gens me veulent trop ça. Donc, à ce soir. N'oublie pas, le direct, c'est ce soir, la première partie. Il sera 19h au Cameroun, 20h ici, là. Les gens me réclament trop ça, donc, à ce soir. Voilà. Puisqu'il avait donné rendez-vous pour faire le direct, on avait connu. Je suis arrivé à Yaoundé. Le jour-là, il a dit qu'il partait à Yaoundé. Qu'il arrivait à Yaoundé. Il m'a appelé, je lui ai dit que non. On va faire plutôt le direct. Tu m'as laissé un message. Ouais, l'enfant, si. Ok, je suis arrivé à Yaoundé. Je suis bien arrivé. J'ai oublié de te dire, excuse-moi, je suis bien arrivé à Yaoundé. Comment tu as dit que tu voyageais là, non? Je suis très bien arrivé à Yaoundé. Donc, 19h, c'est 19h alors. D'accord. Ok. Après, on a encore échangé quand? Je t'ai dit que, ok, alors, avant de lancer le direct, je t'ai prévenu. Je t'ai prévenu que je vais lancer le direct. Et je t'ai dit que je vais lancer dans 20 minutes. Je t'ai dit au téléphone que quand tu arrives, ne viens pas insulter ton ex-patronne. Je t'ai dit que je ne veux pas que tu insultes ton ex-patronne. Parce que je ne veux pas les gros mots. Tu peux t'exprimer, tu commences à parler tranquillement. Je ne veux pas l'embrouille. Voilà ça. Tu as dit oui, j'ai dit que super. J'étais même dit ce jour-là, après le journal, le jour qu'on avait fait le direct, tu as dit que d'accord. Tu m'as envoyé un truc en disant que, voilà le soko de l'autre, de Mbongo Indi, de Nader, voilà ce que tu as écrit. Je t'ai dit que oui, mais je n'ai pas écouté, je n'avais pas moi le temps. Après,
Tu me dis bonjour, ma mounette, bien dormi, j'espère. Je t'ai répondu. Tu m'as dit, il y a une abeille qui t'a envoyé 65 000. Je t'ai dit que il n'y a pas de problème, mais je ne veux pas que tu te mettes sur Facebook pour dire que on m'a donné si, on m'a donné si. Moi-même, je t'ai dit, je t'ai envoyé 70 euros, donc 50 000. J'ai dit que comme les abeilles t'ont envoyé ça, il ne faut pas, je ne veux pas que tu dises, ma faut m'a donné si, que non, je te donne seulement ça comme ça là. Ce n'est pas pour payer quoi que ce soit. Hein, mon fils? Je t'ai dit que je te donne seulement comme ça. Tu m'as dit, il y a une abeille qui t'a donné ça. Parce que ce jour, j'étais en direct, je disais aux abeilles que, donnez alors à votre, regarde bien. C'est moi, quand je suis rentrée, que te donne le numéro de maman Pépé. Voilà ça. Allô, Tobichou. Il faut appeler maman Pépé, elle veut te parler. Je t'envoie son numéro. Elle. Parce que maman Pépé voulait te parler, je t'ai envoyé. C'est moi qui t'ai envoyé le numéro. Regarde mon fils, c'est toi qui m'as envoyé. Tu m'as envoyé ceci là sur ton ex-patronne en disant que c'est son show qui te harcèle. Tout ça là, est-ce que tu peux mettre les choses comme ça sur Facebook? Et si, je t'ai dit, fais attention au faux profil. Parce que tu m'as dit que fais attention, ce faux profil est de rêve. Je t'ai dit que moi, je n'ai pas autant de Facebook. Je mets mes voices. Écoutez. Par contre, mon fils, je sais que tu vas bien. Il faut éviter de m'envoyer des messages comme ça. Bref. Ok, merci. Je ne sais pas, papa, politesse en tant qu'humain. Je t'ai dit que il faut arrêter de m'envoyer les choses de Facebook. Moi, j'aime pas trop les trucs comme ça. Je t'ai envoyé ce message à mon fils. Par contre, mon fils, je sais que tu vas bien. Il faut éviter de m'envoyer des messages comme ça. Bref. Hein? Ok, merci. Après, tu m'as renvoyé ceci. Tu m'avais envoyé ceci. Je ne sais pas ce qui parle dedans, même. Je ne sais pas. Quelle pourriture! Qu'est-ce que j'ai peur? Elle n'arrive même pas à parler. Et si, je ne sais pas si elle a les problèmes de langue, si elle a les problèmes de. Je ne sais pas. Les dents sont toujours serrées. Je ne sais pas qui parle. Pourriture hors pair. J'ai jamais vu ça. C'est une grosse menteuse. Elle veut se comparer à qui? Est-ce qu'elle a vu compresseur? Est-ce qu'elle a vu fleur de lune? Elle veut se comparer à qui cette fille? Elle jalouse Flo et compresseur, on connaît. Hein? Mais, je sais pas, mais je n'ai même jamais écouté, je ne sais pas qui parle. Elle se cache. Je ne sais pas, cette fille vraiment, comment on dit? Elle est vraiment une fille qui a donné. Ouais, l'enfant, si. Te voilà connecté, Tobias. Tu m'insultes, papa, je t'ai fait quoi? Voilà nos échanges, tu mets nos échanges sur Facebook. Tu dis que voilà ce qu'on a parlé, papa, je t'ai fait quoi? Hein? Voilà ça, toi et moi, on a déjà parlé de quoi? Je t'ai dit que c'est qui? Parce que je t'ai dit que c'est le voile de qui? Tu m'as répondu que c'est une tante ou c'est une tante de qui là-haut? Tu as dit que c'était une tante de qui? Voilà. J'ai dit que waouh, vos choses de Facebook là. Regarde mon fils. Le 2 avril, regarde, tu m'as envoyé la bonne, comment on appelle la fête des rameaux, c'est le machin là. Je t'ai dit gros bisous, fiston. Hein? Tu m'as dit bonne fête. Je t'ai répondu bonne fête, mon bébé. Tu m'as dit ici que ça va aller pour maman, sois forte. Je t'ai dit amen. Tu m'as encore commandé, ce sont mes statuts. Sois forte, maman va guérir. Hein? Ça là, c'est aujourd'hui que tu m'as envoyé ça. J'étais à Saint-Denis me faire les ongles, les gens. Et j'ai envoyé la localisation parce que j'étais parti acheter les mangues. Il n'y avait pas. J'ai donc appelé une personne à Château Rouge pour dire qu'on m'apporte les mangues du Cameroun. J'ai donc donné la localisation. J'ai envoyé la localisation. C'était aujourd'hui. Hein. J'ai donc envoyé la localisation. Il voulait envoyer à la personne qui a porté les mangues. Mais j'ai envoyé donc à lui. Il était 16h. Hein. Je pense que c'était à 16h. Oui, il était 16h50. 16h50. Ouais, l'enfant, comment tu peux faire ça? Hein, mon fils, il était 16h aujourd'hui. Le dernier message que tu m'as envoyé datait de jeudi pour maman. Je t'ai dit amen. C'était vendredi. Tu m'as envoyé aujourd'hui. Je t'ai envoyé la localisation, mais je me suis trompé. J'étais à Saint-Denis. J'ai envoyé la localisation. Après, j'ai dit que désolé, je me suis trompé. Tu m'as dit ok. Tu as dit, j'ai dit que j'espère que tu vas bien. Dans tout ce n'est pas encore vu sur Facebook qui m'a insulté. Hein. Et j'ai même dit que je n'avais pas encore vu qui m'a insulté. J'ai écrit que, voilà ça, j'ai dit que désolé, je me suis trompée. Il a dit, ok. J'ai dit que j'espère que tu vas bien, agréable journée. Il m'a dit que très bien, et toi? J'ai dit que ça va. Il a dit que, Emma, Anna, j'ai dit que je vais à l'hôpital dans une heure, je finis avec mes ongles. Il m'a dit, d'accord, bonne route, c'est tout.
Il y a quoi de méchant? Pourquoi l'être humain? Il y a quoi de méchant, l'enfant-ci? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il y a quoi de méchant? Regarde, aujourd'hui, nos derniers messages, c'était aujourd'hui. Je t'ai envoyé la localisation. Je t'ai envoyé le message. C'est toi qui tu m'écris pour maman, je te réponds. Qu'est-ce que je vais commencer à trop causer et tout et tout? Hein? Jusqu'à tu viens m'insulter. Je t'ai fait quoi? Tu m'as envoyé que maman va bien. Tu m'as dit aujourd'hui que j'espère. Voilà le message que tu m'as envoyé. Je t'ai dit que oui, je vais aller à l'hôpital dans une heure. C'était aujourd'hui. Voilà ça. Aujourd'hui. Je t'ai dit que je vais à l'hôpital dans une heure. Je finis avec mes ongles. Tu crois que si j'avais su que tu m'insultes sur Facebook, je vais te répondre comme ça par rapport à quoi? Même la lionne m'écrit pour dire que comment va maman? Je réponds qu'elle va bien. Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein, papa? Dis-moi un peu. Toi et moi, on a échangé quoi de. Pourquoi tu. Pourquoi? Hein? Si je te donne quelque chose, je te dis que non, il ne faut pas dire aux autres parce que je veux que les autres t'aident. Hein? Ouais, l'enfant, si. Je passais seulement pour te dire que papa, ce n'est pas comme ça que la vie est mon enfant. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas entrer en clash. Tu vas nous insulter. Nous sommes tes mamans. On va que te regarder. Ni moi, je ne peux pas te répondre. Attends, j'ai mis mon. J'ai mis mon air au feu. Les gens attendaient. Je guette un peu. Si tu fais le mbunga de. Ouais, l'enfant, si je t'ai. Donc, je faisais seulement une parenthèse pour te dire que, ouais, c'est pas comme ça que. C'est pas comme ça que tu vas chercher, toi, ton. Attendez, j'arrive. Ça, c'est quoi? Attendez, j'arrive, hein, les gens, j'arrive, le cœur, j'arrive. J'ai mis un truc au feu. Je vais faire le. Donnez-moi une minute, un instant seulement. Attendez un peu. Et mon enfant. Ouais, est-ce que c'est comme ça la vie? Maintenant, attendez, j'arrive. Un instant. Je suis en train de faire le truc. Je fais un petit héros, un jar. Un jar, un jar. Donnez-moi un instant. Vous savez que le héros, c'est un truc que ça cuit vite. Quand j'ai une envie, maman, j'ai encore quoi à faire. Quand j'ai mon envie, maman, la vie est courte. Quand j'ai mon envie de manger ce qui me plaît, je mange. Est-ce qu'elle veut dire que. Si tu as des problèmes avec les autres, papa. Donc, je disais que. J'ai dit que, ouais, papa. Qu'est-ce que j'étais fait? Si tu m'insultes, c'est nouveau. Hein? C'est nouveau. Donc, vraiment, bon pied la route. On est ensemble, non, mon enfant? Hein? Donc, si j'ai lancé le direct aujourd'hui, tout à l'heure, c'est parce que j'ai écouté le direct de Lolita la Baronne. Bonsoir la baronne. J'ai écouté le direct de la baronne et je voudrais répondre à la baronne par rapport à quelque chose. Parce que j'ai écouté son direct, elle a vraiment bien parlé. J'ai écouté toi, Cribienne, qui aussi a beaucoup parlé. J'aimerais que les Camerounais mettent la pression à Ibrahim Larson. Parce que Ibrahim Larson, j'ai encore écouté son direct aujourd'hui jusqu'à la fin. Ibrahim Larson est un menteur. C'est un gros menteur dans le Congo, ça. Mais il a menti, il allait trop loin.
Il a menti en disant qu'il détient un vote de 34 minutes, c'est 32 minutes. J'aimerais vous dire à tous que c'est faux. Si mais je me déconnecte de Facebook, il n'a rien que Francis Demba en train de parler. Il n'a rien que Francis Demba est en train de faire des révélations aussi graves. Ibrahim Lasso, ce que tu cherches dans la vie de Coco Emilia, si tu prononces encore son nom, si tu parles encore de Coco Emilia, on va exposer ta vie. Avec ton visage et le beurre sur ça, tu ne peux pas prendre le mouchoir, tu appuies le beurre qui est sur ton visage là. Tu t'es même lavé maintenant jusqu'à tu es propre. Tu vois Coco Emilia, même si c'est dans la bordellerie, elle peut te prendre comme un client. Tu es malade. Tu te permets de dire des choses. La seule chose que tu n'as pas aimé, la seule chose que tu as oublié de dire, c'est de dire qu'elle boit même le sang humain. De dire qu'elle mange même la chair. Comment tu peux mentir sur quelqu'un comme ça? Toi, tu es là-bas au Maroc. Tu cherches ton asile politique en tant que gay que tu as déposé pour aller aux États-Unis ou bien n'importe où ou en Belgique. Mais cherche tes papiers. Hein? Cherche tes papiers. Ce que tu as dit, c'est très grave. Et le problème, c'est que tu as menti. Parce que moi, j'ai eu les personnes qui sont proches de Francis. Il a dit que hein, tu n'as aucun. Que tu as quelque chose à mettre, que tu dis qu'il a un voix où il parle. Il autorise à mettre. C'est méchant ce que tu as fait. Tu n'es pas vrai du tout. Avant, je te suivais. Je croyais que je te suivais, tu étais content. Et tout ça, là, j'étais. Mais tu es un gros menteur. Tu es un destructeur. Hein? Tu n'as pas honte? Mets ta perruque, tu t'assois. On sait ce que c'est. Comment vous faites là-bas au Maroc, non? Qui juge ta vie? Hein, Ibrahim? Qui juge ta vie? Qui juge ce que tu fais? Tu te souviens de l'histoire que tu as eu avec Ruby, comédienne? Ruby, excuse-moi, hein, mais bon. C'est le Japap. Quand il faut donner, on donne. Tu as menti sur Coco Emilia comme ça pour gagner combien sur Facebook? Pour gagner combien sur YouTube? Combien que tu étais incapable de t'acheter une glace? Tu veux qu'on fasse écouter quand tu as été en clash avec Coco, avec Ruby comédienne? Comment elle est venue au Maroc en vacances avec son gars? Elle est venue avec sa petite famille. Tu étais derrière eux comme le roupero, comme un petit toutou à vouloir te faire entretenir. Donc avec toutes tes vidéos que tu mal parles de Coco Emilia matin, midi, soir, tu mal parles d'elle matin, tu l'as déjà vu un jour, tu la connais où? Les autres, les malheurs, si ce sont déjà connus là-bas dans le monde du Njoka, tu la connais où? Moi, je l'ai déjà croisée une fois. Et on s'est bien salué. Oh, Hilton. Toi, tu la connais où pour te permettre, tu es entré dans sa vie, tu as dévoilé, tu as prouvé que Francis n'était pas bien. Elle a compris, putain de bordel, mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Aujourd'hui, elle est dans un moment le plus difficile. Tu viens inventer un mensonge qui se propage partout. Tu n'as pas. Si on dit ça de toi, si on dit que tu déterrais les eaux au Cameroun pour vendre, mais tu as échoué au Maroc, tu seras comprendre Ibrahim. Tu connais tous les amis de Coco qui sont de ton côté. Les gens qui sont de ton côté se soutiennent beaucoup. Tu te permets de. Et même si ce qu'on t'avait confié, tu es qui pour venir dévoiler? Tu es qui? Tu as quel droit de venir raconter les choses comme ça? Même si c'était vrai, est-ce que c'est le moment pour exposer, pour dire ça aux gens? Hein? Il faut que tu te lances dans les directs parce que l'autre, j'ai vu, tu as dit que tu vas commencer à faire les directs Facebook parce que tu prends goût. Tu es allé trop loin, putain de bordel, tu es qui toi? Attendez, je vous montre ce mec. Je vous le montre quand il était encore sale. Parce qu'il faut qu'on montre quand tu étais encore bien sale. Là, maintenant, tu t'es lavé. Tu es parti. Ruby, comédien, est venu là-bas passer les vacances. Tu étais derrière et vous êtes rencontré. Tu as voulu que c'est elle qui te paye même la glace. Tu as fait quoi d'elle? Tu as entendu ce que tu as dit de Ruby, comédienne? Ibrahim Lasso, tu es qui? Tu es qui? Tu es quoi? Tu connais comment la vie tourne? Tu sais où tu peux te retrouver demain? J'ai comme l'impression que tu avais envie de sortir avec pas Vembala.
J'ai comme impression que tu avais trop envie d'être autour des amis de Coco. Un refoulé des amis de Coco Emilia se permet. Un refoulé, un détracteur se permet. Tu organises, parce que c'est pas que tu organises avec quelqu'un qu'elle a chassé, puisqu'elle avait les roupéros. Tu organises avec une personne qu'elle a chassé derrière elle. Il vient raconter les conneries. Tu enregistres et tu dis que c'est Vemba. Pourquoi tu ne mets pas? Les Camerounais te demandent de mettre les 32 minutes. Vemba dit que tu ne le protèges pas, que tu mettes. Lui-même a dit qu'il faut que tu mettes. Il ne refuse pas. Il sait qu'il a eu à critiquer Coco chez les gens. Il a eu à dire des choses. Mais il ne t'a jamais laissé un voice. Si tu as un voice que Vemba parle dedans, je me déconnecte de Facebook. Je suis sûr de ce que je dis à 150%. Mon frère, tu ne peux pas protéger ta soeur. Tu penses que si tu avais sa soeur que tu n'as pas encore mis, la façon que tu t'acharnes sur sa vie depuis, si tu avais ça, ce que tu as déjà mis depuis, tu protèges qui? Tu protèges qui? Tu ne protèges personne parce que tu as organisé ça pour avoir la visibilité. Tu as organisé pour aller voir la visibilité. Si tu mets un voice de 32 minutes que tu as dit, que Francis Bemba parle sur ça, je me déconnecte de Facebook et ferme toutes mes pages. Je ne vais pas m'asseoir au quartier, boire ma bière. Tu veux qu'elle mette là où l'autre parlait de toi? Demain commence ton chantier. On va maintenant faire le chantier sur toi. Tu vas comprendre ce que c'est que le chantier. Nous tous on mange sur Facebook, mais ma faux ne mange jamais. Hein? Hein? Tu t'assois sur Facebook. Également les conneries comme ça, dis donc. Je suis ta grande soeur, gars. On a commencé les choses là avant toi. Tu racontes quoi? Hein? Tu racontes quoi? Tu es l'enfant de Troui. Tu as pensé à sa famille et tu viens pondre le poste que tu l'aimes. Tu l'aimes avec quoi? Elle t'a demandé l'amour. Elle t'a demandé de l'aimer. Tu viens raconter les bêtises sur sa vie. C'est comme ça que vous détruisez la vie des gens. Hein? Les gens disent que Malox a fait que Malox a fait que Malox n'a rien raconté. Malox a montré son mécontentement. Il a dit ce qu'il avait à dire. Certes, ce qu'il a dit, ce n'est pas normal. Mais il a dit ça par rapport à leur rancœur. Toi, tu parles d'elle pourquoi? Hein? Tu parles d'elle, tu es méchant avec elle comme ça, à ce point. Comment ça s'écrit? Ibrahim. Voilà. Hein? Tu parles d'elle comme ça, à ce point, pourquoi? Jusqu'à tu viens... Tu as pondu un post sur elle. Vraiment, vous les bâtards, les conneries de Facebook que vous êtes. Je profite pour souhaiter bon rétablissement. Regardez un peu. Hein. Il finit de parler d'elle et il dit qu'il profite pour souhaiter bon rétablissement. Regarde comment ton... Regarde l'huile sur ton visage. Regarde. Regarde. Une femme comme toi. Tu as fini de la saboter. Tu as fait un post pour dire comment tu l'aimes. Hein? Enlève ta photo sorcier, enlève sa photo sur ton mur. Regarde. Tu dis que tu décryptes quoi? Regarde. Avec ta large bouche comme quelqu'un qui taille les boncas matin, midi, soir. Tu as la large bouche comme une waka qui n'a pas eu. Hein? Ça veut dire que tu as la large bouche comme une waka qui a ou la... le manyanga. Ouais, mon petit. Pourquoi tu fais ça? Hein, mon petit? Hein, Ibra? Hein? Tu nous as énervés, oh? Hein? Tu... tu as le visage comme si tu avais mis l'huile de tournesol. Il n'y a pas le pop là-bas. Il n'y a pas la poudre de Mbopi là-bas que tu peux mettre sur ton visage, papa. Regarde, Ibrahim Lanson. Regarde comment tu peux pas mettre la poudre un peu. Pendant que les gens se voient, tu prends l'huile d'arachide, tu mets tout sur ton visage, tu viens faire le direct. C'est pas à mille têtes. Tu comprends? Regardez, hein, carrément, tu te tresses déjà, non? N'est-ce pas, tu te tresses déjà? N'importe quoi, tchac, 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 tchac. Avec ton ami, la courte chose. Hello, my dear Bisha, tell me what's up. I hope you are. N'est-ce pas, tu as déjà pris la langue s'arranger derrière? Viens, Mbengno.
Il met le rouge à lèvres. Un homme qui met le rouge à lèvres. Spicy, very hot. Je disais dans ton ton anglais, bonjour. C'est quel anglais, c'est le pidgin. Il a mis le la vaseline. Vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est en train. Oh, pardon, fous le gang. Fiche le gang aux gens. Fous le gang aux gens. Tu fais ça, tu mets la poudre sur le visage, tu mets l'huile. Hein, tu mets l'huile sur le visage, que tu racontes quoi de bon? Adon torsé. Adon de torsé, c'est quel anglais que tu parles, Ibrahim? Hein? Tu racontes quoi? Regardez les gestes d'un homme. Tu as dragué son fils à la joie et de la bonne humeur. Vous le savez aussi. Quelle bonne humeur, le tout sinon. De l'amour, de la joie et de la bonne humeur sur cette chaîne. On passe également par des moments super difficiles. Ah, t'as fou le camp. J'ai dit qu'à l'heure, si tu as dragué Francis, il a refusé. C'est ce qui est sûr, c'est ça. Tu voulais l'arracher à ton ami du co. Espèce de paresseux. La note vocale du 34 ouais, ça. Menteur. Quel perdu. J'ai pris ça sur le mur de Willy de Paris. Il dit que la première note vocale est perdue. Mais Jean, est-ce que tu peux laisser une personne qui ne te connaît pas? Tu dis que c'est Francis Bemba qui t'a laissé. Est-ce qu'une personne qui ne te connaît pas peut venir laisser la note vocale de 32 minutes? Avant que quelqu'un te laisse la note vocale, une note vocale aussi longue, la personne va d'abord t'avoir au téléphone. Tu vas lui dire, ok, laisse-moi tout ça en note vocale pour que je puisse faire ma vidéo et répéter. Comment ça s'est perdu? Okay. Ça s'est perdu que c'est devenu un enfant qu'on a envoyé. On a envoyé acheter, écraser les condiments, il s'est perdu. Écoutez. Vous allez tomber à la renverse d'entendre le mari de Exma Weremba parler ainsi. Il dit qu'entendre. Espèce de menteur que tu sois. Tu dis qu'on va entendre. On écoute jusqu'à la fin. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Hein? Hey! Comment tu m'as. Tu dis ici qu'on va écouter la note vocale. Il n'y a aucune note vocale. Tout ça pour la visibilité. Si tu veux, moi, je suis prêt pour les clashs avec toi. Je vais te fabriquer ce que je vous assure que si ça n'avait pas aidé le cas, écoutez, vous allez entendre des choses que vous n'alliez pas. Écoutez ce que quelqu'un peut dire. Écoutez. Vous allez tomber à la renverse d'entendre le mari de Exma Weremba parler ainsi d'elle. C'est salace. C'est dur à entendre. Mais comme je l'ai tantôt dit, je vais reprendre mot pour mot ce qu'il a dit. Pourquoi tu reprends? Espèce de menteur. Espèce de mytho. Ennemi du progrès. Pourquoi tu dis seulement que tu vas reprendre? Mais si quelqu'un te laisse un nouveau cas de 32 minutes, c'est pourquoi tu balances tout le monde écoute. Hein? C'est pourquoi tu balances tout le monde. Tu nous dis que on va entendre. Tu ne dis pas que tu vas entendre. Tu dis qu'on va entendre le Congo sans que ses amis ont arrangé. Venez te dire. On écoute. De son mari. Les saletés, les mêmes pas mes déjà, vous voulez qu'on commence par quoi? Ah oui, j'ai la solution. On va commencer par sa maison dans laquelle elle vivait avant d'aménager dans l'appartement où elle vit actuellement. Ou je voulais plutôt dire où elle vivait avant. Écoutez comment il veut mentir sur elle. Qu'on va commencer par la maison que Coco Emilia a construite devant nous. Elle a acheté le terrain. On a vu comment les travaux ont démarré. On a vu le terrassage. On a vu comment elle a conçu sa maison là en 10 ans. Presque en 10 ans ou 7 ans. La maison où elle vit, elle a conduit. Elle a interné au CHUV. Je vous assure que si je n'avais pas écouté Pa Weremba parler, si je n'avais pas écouté Pa Weremba parler de vive voix, je serais resté sur le nom. C'est faux. Exma Weremba n'a pas du tout été interné au CHUV. Mais avant même d'y arriver, je vous ai dit qu'on va commencer par parler de sa maison, n'est-ce pas? Je vous ai toujours dit ici que sa maison était un cadeau de papa ministre, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire que c'est faux. Laissez-moi pour une fois me contredire. Donc tu as l'habitude de mentir. Pour qu'une fois te contredis, puisque tu as l'habitude de mentir, c'est de sale mytho que tu sois, puisque tu as l'habitude de te contredire, n'importe quoi, tu as dit la vérité quand, tu as toujours détesté cette fille, tu l'as toujours détesté, imbécile que tu sois, écoutez comment il va mentir, hein.
Bemba. Cette maison n'est autre que le cadeau d'un homme d'affaires puissant. Un homme d'affaires très très puissant au Cameroun. Un milliardaire pour ainsi dire. Un monsieur qui fait dans la vente des armes au Cameroun. Franchement, je vous donne cette information. Les gens, j'ai peur. Les gens, je mets la pause. Ibrahim Lasso, tu dis que tu connais quelqu'un qui fait la vente des armes au Cameroun. Tu dois nous balancer ce voice. Tu dis que tu connais quelqu'un qui fait la vente des armes. Je ne sais pas si tu te rends même compte de ce que tu dis. Donc, en fait, si tu connais quelqu'un qui fait la vente des armes, ça veut dire qu'un coup d'État peut se préparer à tout moment. Comment les armes dans un pays, ce n'est que les militaires qui ont droit aux armes. C'est qui que tu connais qui vend les armes? Il faut que tu nous donnes le nom. Mets le voice, on écoute. Mets-nous le voice. Espèce de sale menteur. Tu dis que quoi? Que tu connais quelqu'un qui vend les armes? Dites-moi, dans un pays, imaginez quelqu'un qui il dit qu'il connaît quelqu'un qui vend les armes. Mets-nous le voice. Espèce de sale menteur, c'est qui? Quelqu'un qui vend les armes. S'il m'attrape actuellement, je fais comment? Pardon, papa, si un jour tu passes par ici, je veux voir mes enfants grandir. Ce n'est que le Congo, ça et rien d'autre. On va donc continuer et on va entrer dans la deuxième désinformation. Je ne sais sincèrement pas si c'est le mot juste. Je vous ai longtemps dit ici que c'est à cause de papa ministre que Etma Waremba ne peut plus quitter le territoire camerounais pour l'Europe, n'est-ce pas? Ou bien même pour les États-Unis, l'Asie, peu importe, n'est-ce pas? Sauf les pays africains, bien sûr. Laissez-moi vous dire une fois de plus que c'est faux. Je n'étais pas bien renseigné. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que grâce à Pawaremba, j'ai la bonne information. Vous voulez vous aussi savoir cela, n'est-ce pas? Don't worry, je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez. C'est la femme du monsieur qui a fermé toutes les portes à Pawaremba. Et ce, après qu'elle ait découvert le poteau rose, qu'elle ait découvert que c'était Emilia qui était à la source de son malheur. Quand elle a découvert que c'était à cause de Emilia qu'elle était malheureuse dans son foyer. C'est faux, n'est-ce pas? Et que pour la punir à la hauteur de son crime, briseuse de foyer, voleuse de mari, la dame s'est tout simplement assise spirituellement sur Emilia. Et pas que, elle s'est aussi assise physiquement sur elle. Pas pour dire qu'elle a posé sa grosse fesse sur Emilia, non. Puisque c'est une femme très importante aussi au Cameroun. Elle n'a fait jouer ses relations. C'est à cause... Dites-moi un peu, il y a un truc, hein? Les mensonges comme ça. Dites-moi un peu quelle femme au Cameroun peut interdire l'ambassade. L'ambassade au Cameroun, l'ambassade de France, de donner le visa à une personne. Dites-moi un peu si un homme marié pas dragué une femme, il investit même sur elle. En quoi ça concerne, on va dire la tisa qui est dehors. En quoi ça concerne, si une femme est malheureuse, elle quitte le mariage, non? Donc pendant qu'elle était malheureuse, elle a continué à rester dans son foyer, mais attends, il y aura toujours la place des tisa. Parce que les hommes, il y a plus de femmes que les hommes. Il y aura toujours les maîtresses. Et là, chaque maîtresse aura toujours sa place. La personne qui n'est pas contente va jeter sa tête au rail. Les maîtresses existent depuis la nuit des temps. Même Sarkozy, François Hollande avait une maîtresse ici, il partait là-bas en vélo. Ou c'est, oui, en vélo, en vélo, en scooter, il partait là-bas, il achetait les croissants. Tu parles de quoi? Donc, une maîtresse peut empêcher une femme. Alors que, hein, si tu es même au pays, tu es tellement un menteur. Si tu es même au pays, que tu connais ta crepouse, et on te dit qu'elle veut partir en Benin, tu vas même tout négocier pour qu'elle parte et laisse ton mari tranquille. Tu seras même fier que non, pardon, mieux elle quitte le pays, elle laisse mon mari tranquille. Tu seras, qu'est-ce que tu vas la bloquer, une personne qui te rend malheureuse? Une personne qui te rend malheureuse. Elle veut partir, tu bloques pour qu'elle ne sorte pas du pays. Pourquoi tu te contredis? Pourquoi tu racontes des gros mensonges comme ça? Hein? Comment tu peux raconter des gros mensonges que la personne vend les armes? Regarde les gros mots que vous utilisez dans un pays. Tu sais que ça peut te causer préjudice. Si Francis Bemba connaît quelqu'un qui vend les armes, qui nous dise, mets-nous le voice. Nous, on va aussi entendre qui vend les armes au pays. Vraiment, le diamant souffre dans vos bouches. L'or ne souffre pas comme le diamant. Toujours en train de dire que diamant, diamant, diamant. Pourquoi les gens ne parlent pas trop de l'or? Hein? Plus du tout quitter le territoire camerounais pour l'Europe, les États-Unis ou même l'Asie. Mais elle a quand même le droit de sillonner dans l'Afrique. Donc là, gros, n'est-ce pas? Espèce de sale menteur que tu sois. Tu dis que
On t'a dit qu'elle ne peut pas aller en Amérique, maman. Donc, quand on, bloque, quand on te bloque en Europe, ça ne veut pas dire qu'on t'a bloqué l'Amérique. Hein. Tu parles de quoi? Tu ne connais même... Ça veut dire que quand les gens sont en Afrique, ils parlent les choses du quartier. Vous ne connaissez même pas comment ça se passe, mais tu te permets de parler d'un truc du quartier qu'on l'a bloqué. Pourquoi elle ne bloque pas même qu'elle ne sorte jamais? Donc, on bloque seulement l'Amérique et l'Europe, mais elle parlait partout en Afrique. Espèce de menteur. Pourtant, tu as cherché le contact avec elle. C'est à cause de ça qu'elle ne peut plus du tout quitter le Cameroun pour l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Cette information n'est même pas attachée. Emilia l'a elle-même confirmée lors de son passage sur Live TV. Mais que c'était en voie de s'arranger parce qu'elle s'était aussi arrangée avec Papa Ministre. Visiblement, Papa Ministre n'a pas le pouvoir de ces deux-là. N'a surtout pas le pouvoir de cette dame. J'espère que j'ai bien articulé. Après cette information, on passe directement à la raison de l'absence de Exma Werenba sur les réseaux. Laissez-moi vous dire que son mari, Ba Werenba, a affirmé, a confiné que sa femme serait devenue folle. Pas même qu'elle serait devenue folle, qu'elle est devenue folle et qu'elle est internée secrètement au CHU, au centre hospitalier universitaire. Je ne sais pas si vous avez constaté que j'ai failli bégayer, mais bon, je me suis bien rattrapée. Est-ce que vous voulez savoir comment est-ce que cela a commencé? Laissez-moi vous dire que d'après son mari, Ba Werenba, cela a commencé quand elle a commencé à beaucoup se clasher sur Snap, quand elle a commencé à beaucoup se mettre en scène sur Snap. Et cela a empiré quand elle a découvert les gris-gris dans sa maison. Donc ce clash, toi qui sur Facebook, on t'insulte partout, que tu as le visage, comme je t'ai dit que tu as le visage beurre là, quitte alors, devient dépressive par rapport à sa voix. Que Snap, combien de filles sont sur Snap? Donc être trop sur Snap, ça rend folle. Il a trouvé, elle était là sur Facebook, non? Sur les réseaux. Imbécile. Les gris-gris qu'elle a fait croire au monde entier que c'était ses amis qui étaient venus placer dans sa maison. Ou je voulais plutôt dire les placer dans sa maison. Vous avez bien entendu. Faire croire au monde que c'était ses amis qui avaient posé ces gris-gris dans sa maison. Je dis ça, je ne dis plus rien du tout. Et une fois de plus, je ne suis pas responsable de Ba Werenba. Je ne suis pas responsable de ses dires. Je ne suis pas responsable si ce monsieur-là ne connaît pas fermer sa bouche. Je ne suis pas responsable si ce monsieur parle plus qu'une femme. Je ne suis pas responsable si ce monsieur se confie à tout le monde. Je ne suis pas une fois de plus responsable de votre Ba Werenba, de votre héros national. Puisque cela a été dit, on va continuer avec l'histoire. Il dit que lorsque Emilia a découvert cette gris-gris dans son appartement, dans sa maison, parce que sa maison est loin d'être dans l'appartement, elle a pris son téléphone, l'a appelé et il lui a envoyé de l'argent pour qu'elle prenne l'appartement où ils étaient ensemble dernièrement, où elle vit actuellement. Vous savez aussi qu'une fois au Cameroun, ils ont été invités à l'anniversaire de la belle-fille de Marchandou et de Paul. Laissez-moi vous faire chuter d'un étage. Laissez-moi vous dire que Ba Werenba a dit qu'après l'anniversaire, Ma Werenba est allée sans lui en boîte de nuit. En boîte de nuit, elle a consommé de la farine. Dis-moi. Quand elle est rentrée, elle a fait une de ces scènes pas possibles. Le jour de l'anniversaire, elle a jeté là-bas. Et Coco l'a accusé d'avoir dragué sa copine arabe là. Ça n'a jamais été ce que tu racontes. Tu mens. Et ils ont cham le jour là. Et ils sont quittés du Hilton. Elle a dit que c'est fini, tout le monde n'est plus ensemble. Elle a continué en boîte, elle s'achoue. Est-ce qu'ils étaient encore ensemble? Quand il arrive au Cameroun, est-ce qu'ils étaient d'abord ensemble? Qu'elle a voulu saigner à blanc sa ménagère ce soir et a foutu un grand bordel dans la maison, des dégâts de plus d'un million de francs CFA. Et que quand il a voulu la stopper, l'arrêter un tout petit peu, elle s'est infligée elle-même les bleus qu'on avait vus sur elle. Et le lendemain, elle a pris son téléphone pour faire croire au monde entier que c'était son mari qui lui avait fait cela. Est-ce que j'étais là pour connaître ces détails? Je n'étais pas moi là. Je suis sûr d'une chose, mes bêches, que vous êtes en train de vous poser la question à savoir pourquoi elle avait voulu saigner à blanc sa ménagère. Laissez-moi vous dire que Ba Werenba a dit de sa bouche que c'était parce qu'elle pensait que sa ménagère et lui couchaient ensemble. Qu'elle pensait que la ménagère se tapait son chien et du Werenba, le propriétaire de la plus grosse entreprise de cristaux de monte, le milliardaire au Monopoly, le milliardaire au Congo. Il a rajouté qu'effectivement c'est ce jour-là qu'il a su que sa femme était folle. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire tomber de trois étages maintenant. Contrairement à celle qui a dit que c'était la... qui était à la source de cette folie. Ba Werenba a donné une autre raison. Pour Ba Werenba, ce n'est du tout pas de la vie. Même si sa femme en consommait. Dieu faisant, il rentre sain et sauf en France. Et quand il atterrit sur le territoire français, il jure qu'il ne veut du tout plus avoir affaire à ex-Ma Werenba. Pour lui et Ma Werenba, c'est fini. Mais il continue tout de même à causer avec elle, puisque les deux ont un enfant. Et cela ne peut simplement pas se négliger. Cela ne peut simplement pas se balayer d'un revers de la main. Il continue à causer
jusqu'au jour où Exma Wenamba lui envoie une photo où elle a entouré le vide. Faisant croire que ce vide-là était pas Wenamba, son mari. C'est ça qui lui a encore donné la confirmation que sa femme était bel et bien folle. Ça, ce n'est même pas l'événement qui va vous faire chuter de 3 étages. Il poursuit la causerie en disant qu'un autre jour, Exma Wenamba lui a envoyé une vidéo où elle était devant le miroir et lui a dit qu'elle le voyait dans le miroir. Oui. C'est là qu'il a eu la confirmation que sa femme était bel et bien devenue folle, mais que ce n'était du tout pas à lui d'annoncer cela à la famille de sa femme, qu'il a laissé le temps faire son temps, jusqu'à ce que récemment, là, le neveu de ex-Ma Wenamba l'appelle pour l'annoncer que Ma Wenamba a été secrètement interné au CHU. À ce niveau, je n'arrivais du tout plus à respirer. Voilà pourquoi j'ai eu un blocage et que la cause de son admission à l'hôpital était la folie. Pour ceux qui ont un problème avec ce mot, vous allez directement vous adresser à Ma Wenamba. Je vous assure que si Ma Wenamba se rétablit et retourne vers ce monsieur, ce qu'elle ne sait du tout pas ce qu'elle veut dans la vie. Avant même d'entrer dans le jugement, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, oh my lovely goodness. En tant qu'un bon mari, Ma Wenamba est actuellement tourmenté. En tant que bon mari, il est en train de se lamenter. En tant que bon mari, il est en train de ronger ses ongles. Et en tant que bon mari, il s'est dit, oh my lovely goodness. On vient de m'annoncer que ma femme a été internée pour folie. On vient de m'annoncer que ma femme a été internée secrètement au CHU pour folie. Oh mon Dieu, c'est pas croyable. Dès demain, je vais prendre l'avion pour le Cameroun pour l'assister, pour être avec elle dans le pire. Parce que le mariage, c'est le meilleur et le pire est dans l'au-delà. Laissez-moi vous annoncer que vous vous êtes gouré. Laissez-moi vous annoncer que vous vous êtes trompé sur le compte de Ma Wenamba. Tenez-vous bien, parce que c'est ici que vous chutez du 3e étage. Ma Wenamba a plutôt dit, pourquoi être empathique? Pourquoi est-ce que je devrais être empathique de son état, de sa situation? Pourquoi est-ce que je devrais ressentir de l'empathie pour une personne qui a cherché elle-même ses problèmes? Comment ça, elle a cherché elle-même ses problèmes? Ne vous inquiétez pas, je vous réponds. Laissez-moi vous dire que d'après Ma Wenamba, Ma Wenamba est une adepte des féticheurs. Que pour régler ses problèmes, elle fait toujours recours aux féticheurs. Que pour avoir toute la gloire qu'elle a eue, que pour avoir tout ce qu'elle a aujourd'hui, elle a fait un tour au Bénin. Franchement, les Béninois souffrent énormément. Pourtant, ils ne sont même pas les premiers en matière de sorcellerie. Peut-être que si. Une fois arrivée au Bénin, elle est allée voir un marabout. Elle est allée voir un féticheur qui lui a donné des gris-gris. Franchement, j'ai pas envie de vous choquer parce que ce que j'ai entendu est tellement choquant. Très, très choquant même. Et je n'ai vraiment pas envie d'heurter votre sensibilité. Alors, on va s'arrêter au gris-gris. Pour me choquer, il a dit, chacun récolte ce qu'il a semé. Que qui sème le vent récolte la tempête. Pour le mettre KO, il a dit que l'état de sa femme est tellement grave que si on dit qu'elle est morte, c'est qu'elle est morte. Que chaque jour qui passe est un combat, une véritable lutte pour sa vie. Maintenant, à la question de savoir, monsieur Ma Wenamba, tu n'as plus espoir qu'elle s'en sorte vivante du CHU? Ma Wenamba a tout simplement répondu qu'il s'en fout, qu'il s'en bat les steaks, qu'il s'en fout royalement qu'elle s'en sorte. Laissez-moi maintenant à mon tour vous mettre KO. Ma Wenamba a dit, si elle meurt, ça ne me dérange pas. Si elle s'en sort du CHU vivante, ça ne me dérange pas. Dans tous les cas, que la volonté de Dieu soit faite. Nous sommes toujours dans la lutte et je vais encore vous mettre KO pour une deuxième fois. Il a dit que ce n'est du tout pas une maladie ordinaire. Si c'était une maladie ordinaire, il avait ressenti de l'empathie. Il serait peut-être allé au Cameroun pour assister sa femme. Mais puisqu'elle a touché les gris-gris pour être où elle est, franchement, ça ne le dérange pas. Ibrahim, pourquoi tu es aussi méchant? Pourquoi tu fais ça? Tu racontes quoi comme ça sur la vie? Pourquoi tu fais ça? Tu énerves. Je te mens pas. Tu racontes quoi comme ça? Franchement, il s'en fout. Il s'en bat le steak. Excusez-moi, est-ce qu'un homme peut dire que même si elle meurt, je m'en fous? Est-ce qu'il peut dire ça? Même s'il le pas, est-ce qu'il peut dire ça? Pourquoi tu peux mentir? Hein? Mets-nous là où il est en train de te dire, Ibrahim. Mets-nous là où on l'a enregistré qui parle. Ça n'existe pas. Il a demandé lui-même qu'il faut mettre. Ma Wenamba a confirmé que sa femme est folle. Que si elle est folle, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas respecté les conditions du marabout. Que sa féticheur béninois lui avait demandé de faire plusieurs sacrifices. Elle n'a du tout pas accompli tous les sacrifices qu'elle devait accomplir. Mais que par contre, le marabout a dit qu'il ne voit pas la mort dans sa vie. Que peut-être elle va s'en sortir, comme peut-être elle ne va pas...
espèce d'imbécile que tu sois. Ça veut dire que j'ai même pas envie de t'écouter parce que ça m'énerve tellement que ça veut dire que ça me tensionne. Tu ne peux pas. Non, parce que tu es au Maroc, tu crois que comme tu es là-bas, Francis Bemba ne peut pas porter plainte contre toi. On fait le Japapset. Mais là, tu es en train de dire les choses qui sont très graves. Qu'elle a dit que même s'il meurt, même si elle meurt, il s'en fout. Même si un homme est le diable, il ne peut pas dire ça. Tu es méchant. Ce n'est pas gentil. Hein? Quand on écoute ça, ça donne la chair de poule, ça tensionne. Comment tu peux raconter ça de ta soeur? Avec quel... Nous, on parle au Congo, ça, on peut même s'asseoir, on invente. Mais il y a invention, invention. Même quand on invente pour attirer l'attention des gens, il faut avoir des limites. Bemba n'a jamais laissé, il n'a jamais dit un truc comme ça. Tu détruis, ça veut dire qu'on peut même, vous l'avez déjà détruit. Mais lui coller une étiquette comme ça, non. Tu veux que quand elle sort dans la rue, les gens ont peur d'elle, elle aura toujours les gens qui vont l'aimer. Elle aura toujours des personnes qui vont l'aimer, sa famille autour d'elle, pour la soutenir. Espèce d'imbécile. Bonne soirée, je vous laisse. Bisous.